Star Academy, Sienna gênée, cette de Dajuki l'a déstabilisée. Sienna a craint le pire, ce samedi 12 novembre 2022, sur le plateau de Laïléa a pu compter sur Enola et Louis pour sauver Sienna. Si les élèves n'ont pas hésité à la sauver, c'est avant tout parce qu'elle travaille énormément depuis le début de l'aventure. Cela s'est vu au cours des évaluations mais aussi pendant les primes. Samedi 12 novembre 2022 a été restation. Que ce soit la battle partagée avec les trois autres nominés sur l'envie de Johnny Hallyday. Ou son duo avec Dadju sur le titre Reine. Elle a aussi pu compter sur son binôme de choc. Léa pour la soutenir coûte que coûte. Les deux jeunes femmes ont en effet tissé une amitié très forte. C'est ainsi que Léa a même tenté de soudoyer ses camarades afin de s'assurer qu'ils voteraient pour Sienna lors du prime. Il y a deux personnes qui vont partir, ça me fait de la peine quand même cette histoire. Tu vas voter pour qui toi? A demandé Léa à Chris. Je ne sais pas qui va être sauvé déjà. Soit Sienna soit Stan, a répondu Chris avant que Léa ne passe à l'action. Si c'est Julien qui est sauvé. Vite. T'as 3 secondes, 1, 2, 3, virgule lui a-t-elle lancé. Chris a alors répondu qu'il sauverait Stan. Son binôme d'aventure. Et si t'as 4 secondes, a insisté Léa. C'est à contre-cœur si je vote pas pour Sienna mais il y a Stan à côté. C'est mon meilleur ami, c'est mon binôme, c'est pas possible, a regretté Chris. Léa a joué le tout pour le tout, si tu votes pour Sienna, je te donne tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Je ne peux pas tenir sans Sienna. Finalement, quelques heures plus tard, Anisha a été sauvée par le public et Léa a pu compter sur Enola et Louis pour sauver Sienna. Si les élèves n'ont pas hésité à la sauver, c'est avant tout parce qu'elle travaille énormément depuis le début de l'aventure. Cela s'est vu au cours des évaluations mais aussi pendant les primes. Samedi 12 novembre 2022 a été une nouvelle occasion pour Sienna de prouver son professionnalisme. En duo avec Dadju, la jeune femme ne s'est pas laissée démonter. Mieux encore, elle a tissé une complicité visible avec l'artiste. Et surprise, Dadju lui a dédié la chanson en changeant les paroles. Une attention qui a gêné Sienna mais qui a beaucoup amusé les internautes et ses amis en plateau. À la place de Sienna, je pense vraiment je me serais évanouie face à Dadju. C'est quel comportement de lover ça? Trop gentleman. Trop rassurant, trop charmant. Et comment il souriait? J'en peux plus, Sienna toute gênée. Vraiment des copines Léa et Enola qui sautent de joie quand Dadju sort le prénom de Sienna. C'est ça qu'on veut, déco encore plus heureuse que toi de ce qui t'arrive. Peut-on notamment lire sur Twitter. Un duo qu'elle gardera en mémoire. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.